nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. Soon, the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid and she wanted to go home, but Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. And the girl was never seen again. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimur, their mother had said before kissing them goodnight. The darkness outside scared him. But not being with his sister scared him even more. The nearby forest was a familiar place during the day. But at night, it was a different story.
There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the Pinecones if they had seen her. But if the Pinecones knew about her fate, they kept it to themselves. Ok, et là vous m'entendez? Non mais parce que là ça devient ouf si vous m'entendez pas. J'ai cru m'entendre. Ouais, je m'entends. Je m'entends dans le retour. Ça marche, ouais! Ouais, bah, je suis désolée, hein, pardon. Hein, Danse de la joie, je te jure. Alors, du coup, je disais, ce jeu est juste magnifique avec ben, tout simplement le graphisme. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Ah! Bah ouais... Des pifs qui entourent une autre grosse pif. Mais est-ce que c'est nous qui les avons mis là? Ça, c'est une grosse question que je me dis tout le temps. Est-ce que nous l'avons mis là? Ou pas? Kokax, hier, il disait que ça faisait penser à une secte. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Moi, je dis pas non. Hein. Ça me fait rire. Hop, là, on saute. Non, c'est pas vrai. Tu ne t'es pas pété the gueule. Ah, désolé pour les frises, hein, parce que j'ai l'impression que je frise beaucoup avec ce jeu. Pourtant, il n'est pas connu pour être gourmand. Bonjour la biche. Bah, ça va bien, Gateway. Ok. Attendez, attendez, il y a un truc là. Enfin, je sais pas si on peut la voir, mais... Alors, du coup, oui, une chose que j'ai oublié de dire, la caméra de ce jeu, ce n'est pas moi qui peux la diriger. Ah non, on peut pas. C'est pas moi qui peux la diriger. Ouh là là, j'ai un peu de peine. Je peux la monter, voilà, mais ça redescend. On voit très vite hein, que la caméra du game, en fait, redescend. Voilà, donc je pense que c'est pour être un peu plus immergé dans le jeu. Je suis en train de mourir, mais tranquille. Mais qui passe ça? Oula, cassa. Ok, on arrive du coup à un pommier. Ah, là, on a... Oh, bah de nouveau deux pives. Bah, je pense que ça fait penser à notre sœur et nous, du coup, au lait, quoi, petit garçon, et ça me fait rire parce que vraiment il y a deux pommes quoi, une à moitié mangée, une qui est bouffée, la troisième en dessous là on voit elle est à moitié mangée. On adore. Bon voilà, on avance. Donc là c'était un peu une linéaire hein, finalement, mais regardez-moi ces étoiles. Non, le graphisme est vraiment trop beau. Hier, j'ai fait les jambes avec mon mollet, fessier, etc. J'ai des courbatures, mon pauvre. Mange une banane, en vrai. Ou un avocat, ça fait trop du bien. Alors, hop, voilà. Une statue. Est-ce que c'est la statue de notre sœur, elle? Je sais pas. Ou de Soso, peut-être. Un couteau, une boîte d'allumettes tournée. Ah,
prendre la clé. Très bien. Mais on n'a rien à voir ici. Ah, on peut continuer là. Ah ouais, bah ouais. De ouf, hein? Alors, où est-ce qu'on va? Ça, c'est quoi? Non, on ne peut pas aller là. Ah, on est obligé de grimper. Ok. Coucou, Coquex, comment vas-tu? T'as spécifié que c'est pas toi qui contrôlais la caméra? Eh oui! Je l'ai spécifié. Comment vas-tu depuis hier? As-tu déjà révisé un petit peu pour ton bachelor? Pas du tout. Alors là, on saute. Et on saute. Et on saute. Et on saute. Oh my god. J'avais oublié ça. Oh, j'aime pas du tout. Pourquoi il y a des objets volants là? En vrai. Et encore des membres de la secte de la pive. Voilà, j'aime bien dire ça. Alors, on va passer par ici. Ah bah super, j'avais complètement oublié ce trou. Oh, regardez, ça brille. Coucou Gabibi, comment vas-tu? Vas-y donc, t'avais pas trop à Paris cette semaine. Comment vas-tu, mon grand? Grosse semaine, je suppose. Mais c'est trop cool, du coup, vous êtes. Bah, à part Coquex, quoi, les autres, vous avez pas vu le départ de ce let's play. Donc, c'est bien. Fatigué à mort, mon pauvre. Bah, repose-toi. Passe un petit moment avec nous, tu verras, c'est super cool. Hier, j'ai dormi 15h, de 15h à minuit. Oh, waouh. Non, mais là, c'est plus de dormir, c'est un coma, Gabi. spark of courage. Ma manette vibre telle la bête, c'est impressionnant. On a découvert une petite lumière, oh yeah! Allez, c'est parti, mon kiki. Là, vraiment, ce tunnel, je le redis, mais ça me fait penser à Alice, au pays des merveilles, n'est-ce pas, Coquex? Et j'espère que cette fois, tu connais. Je vais vraiment t'embêter avec ça. Waouh, mais regardez-moi ça. Non, mais s'il vous plaît, cette beauté. Non mais je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus les amis pour aimer ce jeu. Vraiment. Ancre. Ancre. Cette lune est juste magnifique. Et le son, la chanson derrière aussi est très belle. Bon ben on va grimper. On va éviter de s'éterniser comme je l'ai fait hier, mais waouh. Non vraiment trop joli. Trop joli. Donc pour rappel, je m'arrêterai au même instant où on s'est arrêté la dernière fois. Et toutes les autres let's play pour ce jeu se fera de nuit. C'est exceptionnel que ça se fasse l'après-midi. Du coup. Par contre, ouais, j'avais oublié que à quel point c'était un peu chiant les. J'ai l'heure que je dois faire le ménage, hélas, oui encore, mais dimanche. Oh mais t'as bien raison, hein, y a pas de souci. Bon ménage, du coup. C'est une dinguerie en vrai, exactement, Yamé. Mais ce jeu est impressionnant. Et nous avons retrouvé enfin notre sœur. Déjà, question du jour, pourquoi est-ce qu'elle est dehors? What do you have there? Lilimore asked. It glimmers beautifully. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother, Lilimore bubbled. See if you can knock down this pine cone. Alors, n'hésitez pas à répondre au petit sondage que je viens de faire. Alors, ah oui. N'oubliez pas que je suis nulle. En visette, j'ai un peu des problèmes avec la visette en ce moment. Meuf, tu fais quoi? Enfin, mec. Donc j'espère qu'on va pas passer 3000 ans comme j'ai fait la dernière fois parce que vraiment c'était honteux. Pardon. Ah oui, on va passer trois fois. Attendez, attendez. Voilà, je vais attendre qu'elle lance. Thank you.
C'est parti. C'est qui a voté non? C'est dommage qu'on puisse pas voir les gens qui ont voté non. Qui a voté non? Et puis au revoir. Vous êtes tombé. Zut alors! Oh, quel dommage! Vous avez dégringolé! Mince! Sapristi de sapristi. Moi, ça va bien. Ah, s'il vous plaît, dans le chat, un joyeux anniversaire à Ace. S'il vous plaît, c'est son anniversaire. C'est encore un bébé, je sais, mais ça reste quand même son anniversaire. On envoie plein de love. Faites un bordel dans le chat pour Ace. Ah, je crois que... Non, ne me dites pas que mon jeu l'a planté. Non, parce que là c'est bon, hein. J'en ai marre des jeux qui plantent. Hein. Ok, donc on dévalise. On dévale la colline en vrai. Ok. Et là il fait jour, donc on est apparu de nuit à jour. Mais vraiment, c'est parfait. Un bébé, je vais téter le sein alors. Sérieux, est-ce vraiment? She was never scared like him. Je suis choquée. Julia wished he could be a little more like his sister. Ok, alors attendez. Loved adventures, and Ulle loved. J'arrive tout de suite, je fais juste... Hop là. Alors, du coup, pardon, j'étais juste en train de faire quelque chose. Je peux pas collecter ici, hein, y a rien à collecter. Ah non, y a rien à collecter. Les mouvements de caméra, en vrai, les gars, c'est à la fois immersif et à la fois c'est un peu chiant quand même. Hein. Tu partages le sang. Non mais, vraiment, Yamé, tu as osé. Ok. Voilà, on a réussi, hein. Bon, on va suivre notre sœur, du coup. Oh, waouh. Tac. Ok. Alors. Ah, c'est vraiment beau, hein. On est... Vous avez vu que, mis à part ça, j'ai pas dit, mais on est tout petit, hein. On a rapetissi. Vous êtes tous devenus comme moi, là, d'un coup. Qu'est-ce que... Et une... On a failli se faire tuer par une pomme. Super. Oh, qu'est-ce que c'est trop mignon! Alors, c'est parti. On va continuer d'avancer. Regardez-moi ça. Bah, salut toi! Pourquoi tu nous fais la gueule? Pourquoi elle nous fait la gueule? Ah, c'est parce qu'elle a vu Yamé. C'est pour ça. Ouais, je te comprends en même temps. Quand on voit Yamé, des fois, tu sais, il fait des efforts, mais des fois, il est pas très présentable, hein, j'avoue. Ok. Ah, parfait. Et là, on grimpe. Un petit clocher. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon, un petit clocher. Oh, bah la cloche, elle a fait au revoir, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors, s'accroupir, voilà. Ah oui, ça. Comme ça, j'avais oublié que du coup, en fait, ça servait à rien de tourner le joystick. Voilà.
Et j'ai fait quoi, moi? Pardon? Non, t'as rien fait, mais j'avais juste envie de t'embêter. Comment ça, je suis pas très présentable? Ouais, des fois, genre, tu apparais comme ça fait peur, tu sais. Alors, pour tous ceux qui me demandent si on pouvait pas monter le clocher, non, on peut pas. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. C'est trop mignon, en fait, on a des bébés gnomes. Ça me fait penser à... Est-ce que vous connaissez ce dessin animé quand on était petit qui s'appelle David le gnome? Peut-être que vous êtes trop jeune, hein. En même temps, je suis en train de bébé là. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Regardez-moi, j'adore ce petit village, c'est trop mignon. Non mais, ils ont un hérisson d'élevage. Vous avez vu ça? C'est quoi une pieuvre dans le jeu des trois mots? Ah! Vous dites pas pieuvre en français? C'est une pomme de pin. Ah bah j'apprends des trucs. Vous dites pas ça, vous. Et ah bah je suis désolée. Hein. Non mais regardez-moi ça. On a un hérisson. Ils ont un hérisson d'élevage. Jamais vu ça. J'adore. Je kiffe, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Oh non! Bonjour! Bonjour! Oh, il y en a trop! Oh, j'adore, ils me suivent trop! Ils me suivent tous? Trop mignon! J'adore! Mais toi-même? Mais quoi? Comment ça, moi-même, Yamé? Non, on dit pomme de pin directement. Ah, d'accord. Non, mais la pive, c'est pas mal aussi, hein. Tu sais, j'aime bien juste mon pif. C'est comme pain au chocolat et chocolatine. Ah ouais, non, mais on va pas revenir dans ce débat. Alors, là, le but, c'était de chercher les gnomes. Bien sûr, ça va aller un tout petit peu plus vite, étant donné que je sais plus ou moins où ils sont. En sachant... En sachant, pardon. Que j'ai quand même, j'espère, une bonne mémoire. Il y en avait pas un par ici? Peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Alors, je peux pas aller plus haut. Non, il n'y avait pas ici. Alors, il y en avait un dans les tantignons, ça je sais. Il y en avait un ici, là. Tac. Là, j'ai vu le deuxième, il est là. Voilà. Ah oui, il y en a un là, je l'ai vu. Parfait. Et le dernier là-bas. Ah, c'est pas le dernier. Ah merde, il est où le dernier? J'ai pris une pive qui était dans le coffre de la voiture et j'ai allumé le barbecue avec. Ah! Une seule pive? Eh ben. On est d'accord, on a tous entendu la même chose. Il est par ici. Ah oui, il est là. Regardez, son petit chapeau là. Je savais qu'il y en avait un qui était par ici. Voilà. Là, hier, j'ai mis plus de temps à aller chercher, hein, les gars. J'étais là, genre, on entend les bébés, mais je les vois pas. C'est horrible. Est-ce que vous avez pris vos petites collections pour m'accompagner cet après-midi? Et GG d'ailleurs à toi pour le... Enfin, pour Ace, pour le... Le challenge des trois mots. C'est pas mal. Alors, du coup... Hop, on va ouvrir la porte maintenant. Oui, je bois de l'eau, merci. Hello. Hello. Au revoir. Oh, il y en a une, c'est pété de gueule, je l'avais pas vu hier. Trop drôle. Trop, trop drôle. J'adore. Bon, alors je vous dis, vraiment, c'est clair qu'on va aller un tout petit peu plus vite qu'hier, hein.
puisque du coup, hier, je prenais vraiment le temps de découvrir le jeu, discuter avec vous, d'analyser un petit peu. Là, étant donné que je connais, ça va aller un peu plus vite, hein, forcément. Alors, du coup, on doit aller mettre, du coup, nos petits espèces de, je sais pas trop ce que c'est, dans les machins à tête de champi, là. Voilà. Dans l'enclos. Et de 1. Je voudrais bien qu'ils soient les deux là. Lui aussi, tu peux te mettre là-bas? Merci. Voilà, ce serait bien, comme ça j'ai les deux en même temps. Tu me casses les couilles. Ah, il me casse les couilles le gamin là. Waouh, une blague à l'état pur. Allez, 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 allez. Ils sont tout nus les machins ou pas? Voilà. Donc du coup, il nous en manque un. Et c'est c'est Monsieur Casse-couille qui est là. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Ne me demandez pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont tout nus les mecs là. Ah, Walp! Merci ma soeur d'avoir tenu la barrière, vraiment t'étais très utile. Hein. J'ai une bonne nouvelle! Oh! Roulement de tambour, s'il vous plaît! C'est quoi la bonne nouvelle? Je veux avoir! On descend, voilà, on a aidé, on a fait notre BA de la journée. Hop là! Non, tu t'es fait mal au genou? Bah, c'est pas grave. Alors, du coup. Pour rappel, nous sommes un petit garçon. Nous savons pas nager. Voilà. Ok. On se noierait. Ok. Oh non, c'est trop joli. Ouh, j'ai freeze. Encore. Oh, par contre, j'ai cru qu'on allait... Eh ben, j'en ai pas. T'as une bonne nouvelle, mais t'en as pas? Do you foot off my girl, là, quand même, y'a mais... Là, y'a un moment donné... Tu te fiches de nous, hein. Bonjour. Oh, 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 oh. Ah, mais non, en fait, on n'a pas sauté sur la tronche du crapaud. On a sauté sur son dos. C'est le roi crapaud, notre meilleur ami du jour. Est-ce que quelqu'un veut lui donner un petit nom dans le chat? Totalement, I am foot off of you girl. D'accord, très bien, merci Yamé. Vraiment pas sympa. Hein. Vraiment, vraiment pas très sympa. Hein. Je t'envoie, hop, des brocolis. Tiens, avec peut-être volontiers un petit crâne. Et puis peut-être des chauves-souris, comme ça ils peuvent te... Voilà. Bam. Bon, du coup, on continue notre périple pour s'enfoncer dans la forêt. C'est pas comme si on était loin de la maison. Est-ce que là on a des choses à... Je m'en souviens plus. Je crois pas, je crois qu'on avait rien trouvé ici. Hein. Bon, on grimpe, on finit par grimper. Bon, olé, olé, pardon. Merci. Une babouche? Non, j'ai pas de babouche moi. Non, 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 désolé. Hop. Et voilà, nous sommes enfin arrivés. Waouh, non mais c'est tellement joli, je suis désolée les amis, mais moi je trouve ça très très beau. Super!
Désolée, j'avais pas capté qu'on était pas du tout sur le tronc. Bah non, le tronc a pas pu nous emporter. Et hop, esquive de la loutre. Eh oui! C'est pas possible, les amis. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le puits. Oh, le puits. Oh, qu'est-ce que c'est beau, le puits. Les vrais savent qu'est-ce qui va se passer avec ce puits. They were both curious in different ways, while Lilimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Non mais j'adore. Donc on s'est fait happer par le puits. Et du coup, là, en même pas une fraction de seconde, genre, And suddenly, c'est la nuit. Ulle was alone again. C'est parfait. On adore. N'empêche, c'est très beau. Hein. Ça reste effectivement très beau. Hein. Allez, on court, on court. Attends-nous, petite fée! Pas très sympa. C'est parti, on saute. Non, 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 tu te pètes pas sous gueule. Non! Déjà hier, il nous l'a fait, putain. C'est une blague. Hop les. Voilà. Et très bien, je me sens très en sécurité là, j'avoue. Waouh! Et regardez le fond, mine de rien, je trouve ça très joli. Là, vous voyez la petite fée avec la poussière, là. Et regardez-moi ces petites particules, là, on dirait des petites. Ah, comment ça s'appelle, là, les petits insectes lumineux? Je sais plus. Lucioles, voilà. On dirait des petites lucioles. Comment en arabe dit l'électricité? Ouh, je sens que ta blague, elle va pas plaire. Ouh, je sens qu'elle va pas plaire. Mais dis là ta bêtise. Ok, on continue. Ah bah ben voilà, on découvre notre sœur. Bonjour! Tu nous as laissé tout seul! Derrière toi, frérot. S'arrête. Machin truc bidule. Chose bidule. Tu t'en. T'as pas vu que les fées, elles sont. Voilà, très bien. C'est très bien ça, Yami. L'électricité. Non mais. Au secours. Je crois qu'on va juste courir, hein. Reste pas près de Fifié! Bouge! Mec, il fait trois fois notre taille. Bonjour Kizouk! Non. We speak French here. Sorry. Tu peux le redire, Yamé? Very little! Avec un accent bien franche ou glouche. Exactement. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. Donc, notre sœur s'est fait kidnapper, en soit dit en passant. Personne faded. ne réagit dans le chat. Non, mais moi, j'adore, hein. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Les gars, nous sommes morts. Nous sommes arrivés au paradis. Ça frise. Nous sommes arrivés au paradis, les amis. Regardez comment c'est joli. Ah, Yami, tu peux rien refuser aujourd'hui à Aïe, c'est son anniversaire. Tu peux même pas lui dire d'aller se faire prendre un brocoli. On n'est pas sympa, hein. Waouh! Ah, alors, du coup, c'est reparti pour la grimpette, hein. Ah, mais on est en pyjama! Bah ouais, les gars, je vais vous dire fin du jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi. Non, je rigole. C'est pas fin du jeu, mais. On est en chemise de nuit, c'est parfait.
Il parle mal, je parle mal. Non, justement pas. Oh, regarde-moi ça, on a retrouvé le trosseur. On est bien mort. Ah, mais on s'est retrouvé vers les ruines là. Vous savez? Oh là là. Salut toi. Oh, t'as une sale gueule. Prendre une douche peut-être. Ça pue. Qu'est-ce que ça pue du cucu, cette histoire? Oh voilà. Au secours. C'est sympa, hein? On est allé rechercher notre sœur qui s'est fait kidnapper. C'est parfait. Vraiment, là, on adore. Hop là. On est mort. Enfin, je sais pas quoi dire, hein? Mais arrête, c'était trop mignon. C'est trop bien, ok? Je t'envoie plein de love pour ce challenge des trois mots yamé. Regardez-moi ça. Ah, le retour du roi grenouille. Avec sa petite couronne, il me fait trop rire. Et une toute petite tête. Le graphisme, je suis désolée les gars, hein, vous allez me l'entendre souvent le dire, mais il est trop beau. Frog King made sure that his new friend did not drown. Il nous a sauvé la vie, le petit père. Oh, c'est trop gentil. On n'est pas mort noyé du coup. But without his sister, he felt like the loneliest child in the world. Ah bah tu m'étonnes que tu étais l'enfant tout seul. He just wanted to find Lillemor and go home. Bah ouais, bah il fallait. C'est quoi ces enfants aussi qui vont se promener en forêt en pleine nuit? Ah. But to do that, he had to find where the big troll had taken her. Donc c'est un troll hein, qui l'a. J'étais dans une boutique pour essayer un t-shirt avec un dessin de sucette, sauf que quelqu'un a kidnappé mon t-shirt, je n'ai donc pas pu acheter mon t-shirt. Oh! En vrai, c'est pas si éclaté de ça, c'est même marrant, je te félicite. GG. Ah, je peux pas passer par là. Ça a coupé. Ça a fait exactement la même chose hier. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais peur que j'aie perdu la première partie. Parce que ça a fait exactement la même chose. Ça nous a coupé. Et au final, en fait, la première partie a été save. Donc, du coup, c'est bon. On peut continuer. Mais du coup, on nous a mis ici. Mais écoutez, c'est pas grave. Enfin, hein, voilà quoi. C'est la vie. Mais du coup, nous voilà. Donc là, on a découvert. Waouh! Tout est saccagé, c'est parfait, on adore. Hop. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, on entend pleurer. Super, magnifique. Vous le voyez parce que moi aussi. Par contre, t'as le droit de viser un peu mieux. Hein. Ah, il a la clé pour qu'on puisse ouvrir la porte. C'est parfait. C'est nickel. On adore. Donc, il a perdu quelque chose. Nous a montré, hop les, donc on va céder de ça et on pousse et on pousse et on pousse. Par contre, là tu le fais vachement exprès. Allez, hop. Voilà.
pour aller lui rendre du coup son petit joujou. C'est parfait. Oh mon dieu, c'est cyclé. C'est affreux. Je déteste ça. C'est des cyclés que je déteste. Ah, quelle horreur. Alors, du coup, on peut s'accroupir, pardon, excusez-moi. Et rentrer. Ok, donc nous sommes arrivés. Y a rien ici, on est d'accord. C'est désert, ouais. Moi, je pense qu'il y a rien. Allez, c'est parti. Mon dieu, les vibrations de ma manette parfois. Et puis lui, il nous suit pas? Ah, très bien. Ok, bah au revoir. Merci de nous avoir aidés. Très bien. Ok, donc là on est toujours pas mal sur quelque chose de linéaire, hein, les amis. Encore une fois. On super. Trop bien. Salut toi, pourquoi tu te retournes avec tes yeux là? Non mais non, ça j'aime pas du tout. Cesse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a l'air saccagé. Oh non, vous avez vu? Oh non. Oh non, je suis tristesse. Oh, ils ont tué Monsieur Hérisson. Non, c'est trop triste ça par contre. Où est-ce que nous sommes censés aller? Oh, qu'est-ce qu'ils sont horribles, vous avez vu là-bas au fond? Oh, mais mon dieu, mais ces yeux qui nous suivent là, vraiment c'est malaisant. Je vous le dis direct. Vraiment, on s'y sent mal. Hein. Oh, c'est un piège! Frérot, il y a des pièges partout. Waouh! The fuck? Oh, regardez-moi ça. Mais c'est celui qui a kidnappé notre sœur. Ok. Il a son baluchon, c'est celui qui a kidnappé notre sœur, du coup. Ok. Parfait. Waouh. Vous avez vu ça? Il a mis des pièges partout, l'enfoiré. Oh! Bon bah c'est parti, on va faire le tour de l'arbre, c'est... on adore, hein. Voilà. Voilà, on se fait mal aux genoux. Ah! Bah au revoir. Super! On est tombé dans quoi encore? Oh non, c'est un renne! Oh non! On est tombé sur un renne! Oh non, le pauvre! Oh non, le pauvre! Bon, la dernière fois, on a été mort plusieurs fois sur ce passage, donc on va éviter de mourir 4000 fois. Là, c'est bon, on a compris, je crois. Allez, c'est parti! Oh, quelle horreur! Mon dieu, c'est piège de chasse, les gars! Oh, affreux! Berk, berk. Berk. Allez, vas-y. Le début du cauchemar y commence. Le début du cauchemar, il commence. J'adore, je dis ça et puis j'entends les croissements d'un corbeau dehors. C'est parfait, hein. Les particules dans l'air, vraiment, c'est trop stylé. Trop stylé. On atterrit où? Ah oui, cette scène. Oh, qu'est-ce que c'est? Dégueulasse. Oh mon dieu. Lâchez-vous. Oh my god, quelle horreur.
on est obligé de traverser ça, les amis. Ah, je suis désolée à toi, Olé. Ah, vraiment, j'ai envie de pleurer. Ouais, dans les tripes et tout. Et puis, vraiment, regardez-moi ça, mais c'est dégueulasse, il y en a plein partout. Genre, police de l'hygiène, bonjour. Je voudrais vous déclarer un sinistre. Quelqu'un essaye de se mettre en tant que boucher, mais les conditions d'hygiène... comment vous dire, c'est pas trop ça. Voilà. Hop, super. C'est sérieux? Il a sauté à côté? Vraiment? Oh, puis en plus on est obligé de recommencer depuis là, mais quelle horreur. Oh, puis il y a des mouches partout. Oh là là. Mais j'avais fait juste. Et rigolez pas trop dans le chat, hein. Parce que vraiment. Oh. Je crois que je l'avais recommencé au moins 15 000 fois cette scène, tellement que. Tellement qu'il nous faisait du caca, le monsieur, le petit jeune homme là. Allez, hop! Hop! Allez, agrippe-toi, et puis là, tu. Vraiment, c'est bruitage, c'est. Incroyable, n'est-ce pas? Je sais pas où on va. Je dois aller où? Ah! Ah oui! Bah super! Bah salut! T'es pas très beau toi! Il a poussé ça genre en modulé? Ok! Il veut nous trancher donc le mec! Super! Ok. Mais arrête de bouger. Ok, ok, ok. Il nous a pas tranché. Pas encore. Hop, là il veut. Wow. Voilà. Ok. Ah, prends ça. Zizuber, on adore. J'ai envie de pleurer. Oh là là, mon dieu, non, tu nous trancheras pas aujourd'hui. Oh, t'as, j'ai pas envie en fait. Voilà. Oh, oh, il a failli. Il a failli, le vilain. Il a failli, le vilain. Bah non. Allez, allez. Wow. Je cours comme je peux. Comme je. Est-ce que c'est du sang chaud? C'est affreux ce que je. C'est du sang chaud ou pas? Ah, vraiment, cette scène elle m'a donné envie. Genre là, pour les végétaliens végétariens, elle doit être horrible cette scène. Enfin, même pour nous, omnivores, au secours, quoi. Vraiment. On sort d'ici, on dégage. Oh ! On dégage. Le pauvre, il doit être traumatisé. Bah, tu m'étonnes que tu veux pleurer. Désolé pour les chiens, je ferme mon micro. Il a presque mort several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Voilà, alors, du coup, là, il y avait rien ici, hein. Hop, on descend les escaliers. C'est... Mis à part ça, cette scène, elle est horrible, hein. Oh, attendez, attendez. Pardon, excusez-moi, j'allais achoumer. Je voulais pas vous péter les oreilles. Hop, les... Pourquoi vous êtes enfermés, les gars? Bon, ok.
Bah, le but, parce qu'on peut pas ouvrir ces portes seules, on l'avait bien remarqué. Arrêtez de pleurer, les gamins. Voilà, on se hisse dessus. Il fait exprès, hein, il fait exprès. Il fait exprès, parce que on l'avait. Allez, on remonte le tout. Ah, c'est bon, les enfants, on a compris, hein. Voilà. Bon, voilà, purée, c'était pas compliqué, hein. Hop, voilà, on se hisse. On prend ça et... Et eux, ils se pètent pas the gueule. Parce que nous, on se pète the gueule, hein. Vous avez vu, ils sautent beaucoup plus haut que nous, ils ratterrissent sur leur petite gambette. Nous, par contre, c'est la fête au village, quoi. Et waouh. Incroyable. Allez, ouvrez les portes, Tom. Ok, bah suivez-moi. Oh, par contre, faites attention, il y a des pièges partout, je les ai entendus. Ah ! Oubliez, mais n'allez pas là-dedans. Si tu t'es fait avoir par le chapeau, normalement, tu devrais même pas mourir. C'est une blagounette, ça aussi. Faites attention où vous mettez les pieds, les gars. Vraiment. Voilà. Regardez, ah oh, putain, mais ils sont obligés de pas faire attention, hein. Vraiment, c'est délire tout ça. Hein. Alors, est-ce qu'ici, il y avait quelque chose? Non, il n'y avait rien à collecter ici. Il n'y a rien à collecter. Et voilà, les amis. Allez vous réfugier dans cette petite cabane. Et à tout à l'heure. Oh, c'est une blague. Regardez-moi ça. C'est le moment, je crois, le plus traumatisant du game. Il est venu détruire... Il est venu détruire la maison où on venait de sauver les petits gnomes. Vraiment. Ah mais on en a deux qui sont avec nous. Très bien. Alors là, aujourd'hui, c'est un jeu de cache-cache. Alors, on va le faire attendre qu'il bouge ses lumières. Mais j'avais pas vu qu'on avait deux gnomes avec nous. Allez, 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 cours. Voilà. Et au moment où on a plus de lumière... Cours, abruti de sa mère. Putain. Vraiment, faut qu'on fasse gaffe en fait avec sa lampe. Parce que dès qu'il y a... Voilà. Cours. Voilà. Là, du coup. Je sais pas ce qu'il fait. Tu peux avancer, trou du cul, non? Mais il est vraiment coincé? Il joue au coincé là? Il joue au teubé? Non, c'est une putain de blague, j'espère. Je suis coincé dans le tunnel, les gars. Il veut pas avancer. Ah, peut-être. Ah, bah, peut-être parce qu'il fallait que je m'accroupisse. Ne dites rien.
ben, j'espère que on va pas non plus s'énerver avec ce stream et ce wifi qui fonctionne une fois sur 15 000. Hein. Que sinon, ça va me saouler. Hein. Le but étant que moi, je puisse rattraper et refaire tout ce que j'ai loupé. Enfin, tout ce qui n'a pas été enregistré hier. Là, c'est bon, hein. C'est bon. Alors, je pense que pour la rediffusion, soit je téléchargerai les trois trucs ensemble et puis je ferai un montage. Mais ça devient n'importe quoi, là. Ça devient n'importe quoi, vraiment. Vous m'entendez bien, au moins? Ok. Donc, du coup, je précise, on est... Il y a le grand méchant là qui a kidnappé notre sœur qui vient de tuer la maison des gnomes avec les bébés gnomes dedans. Et du coup on doit pouvoir lui échapper. Et comme vous pouvez voir dans l'eau, nous avons des pièges. Donc il faudra que je me gaffe avec... avec tout ça. Oh putain. Donc là, passons bien au milieu. Voilà, il faudra bien passer au milieu dans tous les cas, hein, les amis. Hein. Non, il ne nous a pas vus. Il nous a pas vus. Ou top. Ouais, alors je sais pas hein, si c'est le top, hein, mais vous avez vu. Ouais, on met du temps avec ta putain de lumière là. Waouh, il y a des pièges partout. Vous avez vu, plus on arrive de le rebord, plus il y a des pièges partout. Vraiment, c'était... parce qu'en fait, il nous entend dans l'eau. Hein. Ah oui, là, il nous voit pas, on est d'accord. Il peut pas nous voir. Rassurez-moi, parce que là, vraiment, autrement, je pleure, hein, s'il nous voit. Ouais. Il est con, ce machin. Il est con. Vas-y, grimpe. Voilà. Alors, il est ici. Voilà. Et il nous cherche, comme d'habitude. Alors, on va juste attendre, voilà, qu'il soit de l'autre côté. Voilà, on va être ici. Alors, dans tous les cas, en fait, il faut pas être gourmand, on va attendre ici. Il a vraiment une sale gueule. Je suis sincèrement désolée, mais là, il a vraiment... sale gueule et ses yeux, vraiment, c'est un enfer. Tu m'as pas vu, tu m'as toujours pas vu, tu m'as toujours pas vu, tu m'as toujours pas vu. Voilà. Alors. Attendez, je peux voir s'il y a quelque chose ici. Non, on peut rien collecter là. Des fois, ce petit gamin, il est vraiment très con. Hein. Je comprends pas comment tu peux être aussi loin. Je te dis de revenir, de t'abattre par ici vers nous. On dirait moi dès le matin. Moi, le matin, dès que je me réveille. Ah bon, tu fais ce bruit-là, toi? Eh ben. Tu m'en diras tant. Bon, du coup. Le calme après la tempête, c'est ça? Nous sommes enfin assez calmes. Oh purée, mais... Truc muche, tu fais de la merde. Voilà. On a des petits symboles là, vraiment c'est... Descends. Voilà. Et là, tu sautes. Voilà. Bravo. Ouais. Allez hop. Ok, le champi. Ok, on va y arriver. Saute! Non, très bien.
Je sais pas où, dans quoi on a atterri, mais on a atterri. Oh, regardez, c'est le cercle des petites pives. C'est le roi des pives. Je rigole. Oh, on a fait un meurtre de pives. On a fait un meurtre de roi de pives. Oh, y en a un, il s'est carrément évanoui. Non, mais vous avez vu ça? Tu fais quoi? Oh, ok, le jeu a freeze, très bien. Waouh, désolé les amis, vraiment, je ne pensais pas. Oh, waouh! Bon, sortons de cette grotte, les amis. Pourquoi ça me fait penser aux mignons? Bah, très bonne question. Vas-y, cours. Waouh, bah oui, c'est impossible de courir pour toi. Ah, des fois, il me saoule, ce gamin. Ben parce qu'ils avaient les mêmes voix que les mignons, Yamé. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça qu'ils t'ont fait penser. Allez, ce truc visqueux. Cours. Monte dessus. Grimpe, putain, mais pas trop de temps non plus, hein. Sérieux, lui. À mettre 3000 ans. Non, remonte, abruti. Voilà. Et on va attendre. Voilà, une guise. Voilà. Hop, là, plap. Grimpe. N'attends pas. Oh, putain. Sérieux. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a des vers partout, c'est dégueulasse. Mais je sais pas trop ce que c'est là-dedans. Vraiment. Bah, je suis désolée, petit lutin. Allez, cours. Fais quelque chose de ta vie, nom de Dieu. Oh, purée. Toujours 3 mètres 3000 ans, hein. Alors, ici, je sais que... Bon, ce petit truc visqueux, là, il était... Je sais pas trop ce que c'était. Ok, très bien. Ça, c'est une porte. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir avec cette porte. Là, on a une souris avec des champignons. Là, c'est nous. Bah écoutez, je crois qu'on n'a rien à voir ici. Peut-être que c'était juste pour montrer... je sais pas. Est-ce que c'était pour montrer le dessin ici, là? C'est une chèvre, non? On est d'accord? Je sais pas. Vraiment, là, j'avoue, je ne sais pas. J'adore parce qu'on sent... on entend, pardon, le bruit de quelque chose bizarre. Oh, c'est le bruit d'un cochon. Ah, c'est le bruit d'un cochon. Sûr. Ah non, on se retrouve avec Monsieur le Gnome. C'est une blague. On se retrouve avec Monsieur le Gnome. Il est pas beau, vraiment pas beau. On s'est accroché sur quoi? Oh, c'est une carcasse d'animaux, ça? Oh mon Dieu, quelle horreur. Non mais lui aussi, en police de l'hygiène, s'il vous plaît, au secours. Oh, non mais peut-on faire quelque chose? Oh, en plus, il est en décomposition, c'est de la mousse, c'est... Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, je suis sincèrement désolée, j'ai envie de mourir. Hein. Yerk. Ce petit gamin, des fois, il m'énerve. Merci. Waouh. Si à chaque fois, on se pète the gueule parce que tu sais pas te mettre sur une espèce de cuillère et arrête de faire de la voltige, s'il te plaît... Ce serait sympa. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, je te le dis carrément. Allez. Tu fais quoi? Tourne-toi. Merci. Oh là là. Des fois, il me fait peur, hein. Ça... T'as pas froid au pied, toi, hein? Ah bah, on s'est fait avoir. Ah bah, c'est con. Ah bah, c'est très con, hein. T'es pas beau. Mais est-ce que c'est celui qu'on a fait chier tout à l'heure? Oh... Oh,
Vous avez vu son gros bidou là? Allez, nous on sort parce qu'on veut sortir. Mais par contre, fais les choses. Fais les choses bien, truc muche. Merci. Vous allez me dire que le machin là il vous a pas entendu? Vraiment, là je suis désolée, mais je pense qu'il nous a entendu. Vous avez vu le bric-à-brac qu'on n'a pas fait? Oh my god. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à collecter ici? Moi je veux collecter des choses. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a rien à collecter. Il n'y a rien à collecter, vraiment. Oh, regardez-le! C'est la secte des pives! Oh, c'est une blague. Allez, prends! Bon, vas-y, mais fais quelque chose de juste. Parce qu'en plus, c'est des ordures. Il... Allez, vas-y, reprends! Pas grave. Le pauvre. Mais vas-y, regardez-moi ça. Je sais plus viser. On a été un géant, les amis. Ulla felt bad for the ill-treated giant. Lems might be big. Oh, regardez-moi ça, comme il est trop mignon. Il vous fait pas penser à un personnage connu? Moi, j'arriverai pas à dire quel nom, mais il me fait penser à un personnage connu. Je vous jure. All he longed for was a friend. His face scared him the most. Oh, trop cool. Merci. Beaucoup. Even so. It seemed like he had found one. Oh, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Attendez, parce que là, il y a juste... Je vous reprends dans 2 secondes, les amis. C'est juste... Vraiment, il n'y a rien à collecter ici. Oh purée, j'avais pas vu tous vos messages. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils se sont mis... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas vos messages qui se sont mis là. Je suis tellement désolée. Coucou Fabien, comment vas-tu? Le réalisme en sueur. Ah ouais, non, mais... Bon, après, c'est... C'est un jeu, hein, n'empêche, mais c'est très joli, je trouve. Par contre, je trouve ça très bizarre qu'on n'a rien à collecter jusqu'à présent. Oh, vous avez vu, là? On va retrouver notre petite pierre Gollum. Ah, peut-être Gollum, ouais, peut-être. On a retrouvé notre petit fragment de pierre, là. Possible que ce soit Gollum, hein. Oh, ça pue du cul, regardez. Garçon, regarde-toi, regarde. Alors, j'enlève juste mon micro. On va se faire manger! Ah, revoilà notre sœur.
En vrai, perso, ça va. Mais j'avoue, hier, ça nous a planté, mais à un moment qui n'était pas aussi décisif que là. Là, on s'est fait planter sur un moment où on se faisait courser. C'est pas hyper... Enfin, on n'a pas le temps de se mettre dans l'action, en vrai. Hein. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Waouh! Il est devenu de la pierre. Super. Regardez-moi cette bouche. Il est musclé en vrai, hein, le troll là. Regardez-moi cette particule. Genre de poussière. Ou je sais pas trop ce que c'est, de poussière de fée ou j'en sais rien quoi, c'est trop beau. Vraiment, je le dis, c'est trop trop beau. Oh, avec ce doux rayon de soleil là, qu'est-ce que ça fait plaisir! Mon dieu! Waouh! Ah, ça frise au niveau du son, je suis désolée. Ah, des petits papillons, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des petits papillons! Nous sommes dans un champ, une prairie. Ah bah salut toi. C'est très joli. Hein. C'est très joli. Attendez juste deux secondes les amis. Vous avez vu, il y a un enfant et une biche derrière, c'est absolument trop mignon! J'adore, c'est trop beau! Voilà, désolé. Alors, du coup, on court un peu. Oh là là, non, c'est vraiment trop mignon. Il y a des petits yeux et tout. La musique est juste incroyable. Tout est beau. Et vous allez halluciner, les gars. Vous avez vu ça? C'est un hérisson. Eh bien, je vous propose un petit tour à dos d'hérisson. Vous avez jamais testé? Eh bien, asseyez-vous confortablement et juste admirez. Vraiment. Hier, j'ai vu ça, j'étais là genre, non mais c'est une blague, c'est absolument trop mignon. Nous nous baladons à dos de hérisson. Sans déconner. Vraiment, sans déconner. J'adore. Vraiment, le concept est absolument trop bips. Même tête grenouille. Allez, vas-y. Bonjour la grenouille. Hop là. C'est trop mimps. De dos, on dirait une petite barque, mais en fait, vraiment, c'est un dos d'hérisson. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, nous avons grimpé à dos de hérisson. C'est parfait. J'adore. Mais vous avez vu comment nous sommes minuscules. J'ai l'impression que plus on avance, plus on rapetit ici.
Avant, on était une bonne taille. Maintenant, on n'est plus une bonne taille. C'est tout kawaii. Oui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Waouh. Allez, 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 vas-y, glisse. Non, glisse-toi de l'autre côté. Vas-y, fais quelque chose, voilà. Pour la réveiller, elle. Il fait exprès, hein, le machin. Il fait exprès. Voilà, voilà. Allez, 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 allez. Normalement, il aurait dû bouger son fiac, hein, vraiment. Ils vont pas aller tous se coincer là-bas. Ah bah voilà. Bonjour. Ça marche, Ace. Bon après-midi, des petits bisous. Merci d'être passé. Franchement, ils nous aident bien. Hein. Oh, ça y est, ça pleure encore. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux aller rejoindre ton baby? Bah, c'est Bobet. Ah oui, d'accord, très bien. Tu nous grimpes dessus. Tout à fait. Non, mais c'est normal. Vous voyez ça? Pour vous, c'est normal qu'on nous grimpe dessus, là? Alors, c'est juste... Oui. Bah heureusement que nous avons notre pied là, parce que bah du coup sinon on se serait noyé. On aurait fait comment? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas comment on aurait fait. Il n'y a pas des choses à récolter ici? Ah oui, là. On doit passer par là. Juste. Avec son chapeau là, ça me fait rire. Hop, et on grimpe. C'était pas ici, hein, non. C'était pas ici. Ah, mais vas-y, grimpe. Fais quelque chose de ta vie. Ah, purée, mon Dieu, mais ce gosse. Faites quelque chose. Traverse le tronc. Zébarvé. Oh. Oh. Bah au revoir, hein. Genre vraiment je dis oh. On est bourré, ça y est. Mais on est bourré, qu'est-ce qui s'est passé? Oh ce son.